C'est l'église de Saint-Pierre. C'est ça qui joue. C'est là des cloches qu'on entend sonner. C'est de toute beauté. Donc, apparemment, c'est de style baroque. Moi, je suis assez inculte en architecture. Je connais pas ça. Je sais que c'est beau, mais je peux pas l'expliquer. OK, l'église de Saint-Pierre à Munich. Vous checkerez ça sur Internet. Moi, il faut que je file à l'aéroport si je veux pas rater mon avion. Rater l'avion, c'est manquer l'avion. Donc ça, c'est pas une église. Ça ici, c'est l'église de Saint-Pierre. C'est juste en face de cet immeuble-là. Donc, à la pignon, on peut pas le voir. Ah ben, je l'ai vu tantôt, la vieille bâtisse en briques rouges. C'est vieux, c'est fantastique. Et bon, Marienplatz, c'est la seule grosse place que j'ai vue à Munich. J'ai pas le temps de voir les autres, malheureusement. Mais... c'est ma préférée. Elle a eu une étiquette, une contravention, une amende, parce qu'elle était à vélo sur une place qui est apparemment piétonne. C'est juste pour les piétons, pas pour les bicycles, les vélos, et pour les chars. C'est quand même plate, j'espère que c'était pas trop cher. Donc, j'aimerais ça marcher plus, j'aimerais avoir plus de temps à Munich, parce que c'est vraiment beau, c'est vraiment intéressant. Ça mérite plus que 2-3 heures de balade au hasard. Bon, alors, je vais finir la visite où je l'ai commencée, devant le dragon là-bas. Il fait pas beaucoup plus chaud que tantôt. Là, il fait plein de zéro. Et j'ai ça, les roulettes. Ça fait du bruit. Ça fait du train. On dit du train pour du bruit. Donc ça, je pense que finalement, c'est une espèce d'hôtel de ville ou ancien hôtel de ville. Tout est écrit en allemand, c'est pas facile à lire, mais c'est beau. C'est plus que beau, c'est fantastique. Puis je suis fatiguée. Fait que je m'en vais à l'aéroport et dans quelques heures, je vais être dans mon vol pour Montréal. Puis je vais essayer de dormir, même si c'est vraiment difficile de dormir dans l'avion. C'est dur de dormir dans l'avion, c'est difficile. Voilà. Le dragon. C'est vraiment fantastique. Bon, ben c'était la capsule culture pour la journée. Salut.